Alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Que le Seigneur te bénisse, toi, mon frère. Que le Seigneur te bénisse, toi, ma sœur. Alléluia. Je vous ai dit que nous prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Alléluia. Et chacun de nous doit prier pour son pays. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. C'est votre servante Moyer. Alléluia. Il faut aller sur ma page Moyer TV et il faut t'abonner. Et il faut aussi apprécier. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur te renouvelle. Que Jésus-Christ t'arrose de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Nous, sans plus tarder, nous allons prendre le livre. Nous allons aller dans le livre de Proverbes. Proverbes 31. Et nous allons lire le verset 30. Amen. La grâce est trompeuse. Et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Amen. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Que le nom de Jésus-Christ soit béni pour ses belles paroles, pour tout ce qu'il fait pour nous. Jésus-Christ est amour. Alléluia. Il est amour, il est sagesse, il est tout. Alléluia. Que son nom soit béni. Voilà, nous allons parler un peu de la femme. Amen. Que Dieu te bénisse, ma sœur, toi qui m'écoutes, toi, mon frère qui m'écoute. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Le Seigneur, je vous ai dit, encore je le répète, nous prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Le Seigneur se révèle à nous. Le Seigneur m'a ravi en esprit la nuit dernière. Et Abidjan, toujours Abidjan, et je vous l'ai dit. Et je suis contente de prier pour mon pays. Je suis contente que le Seigneur me révèle les choses cachées, les choses à venir pour notre pays. Voilà. Le Seigneur m'a ravi en esprit au niveau d'Abidjan. Le Seigneur va me faire faire le tour de la Côte d'Ivoire. Et je vais voir beaucoup de choses. Il va se révéler à moi. Vous voyez, je vais voir beaucoup de morts. Alors, beaucoup de gens me disent, mais pourquoi toi, le Seigneur, te montre toujours la mort au niveau de la Côte d'Ivoire? Mais ce n'est pas moi, c'est Dieu qui se révèle à moi. Et il faut dire que quand Dieu se révèle à nous, c'est pas pour qu'on tue les gens, mais c'est pour qu'on prie. Alléluia, quand Dieu t'a révélé, il faut prier, il faut partager et il faut prier pour que cela n'arrive pas. Alléluia. Le Seigneur va me montrer, je vous ai dit, nous avons fait le tour de la Côte d'Ivoire. Le Seigneur m'a révélé et m'a ravi en esprit. Et je vais voir quelque chose que je vais partager avec vous. Le Seigneur va me montrer des femmes. Alléluia. Le Seigneur va me montrer des femmes. Et je vais voir ces femmes-là. Il y a d'autres qui étaient tissées, il y avait d'autres qui avaient porté des foulards. Mais la particularité est que ces femmes-là sont barbues. Je vois des femmes qui sont barbues. Je vois des femmes qui ont la moustache. Je vois des femmes qui sont en culotte, d'autres sont en pantalon. Je vois des femmes qui marchent comme des hommes. Je vois des femmes... Le Seigneur me dit, regarde ces femmes-là. Je vois des femmes qui sont tissées, des femmes très belles. Mais qui ont beaucoup de barbes comme les gens qui posent des bombes là, les Arabes, ceux qui font Al-Qaïda, je crois, qui ont beaucoup de barbes. Il faut dire que ces femmes-là ressemblent aux hommes. Mais comme elles étaient habillées en pagne, en jupe, j'étais étonné de voir des femmes avec beaucoup de barbes qui marchent, d'autres marchent comme des hommes. Et le Seigneur me dit, tu vois ces femmes que tu vois là, elles sont possédées, ce sont des femmes sorcières. Qu'en Côte d'Ivoire, beaucoup de femmes, je ne dis pas toi mon frère, je ne dis pas toi ma soeur, mais je suis en train de te dire ce que le Seigneur m'a montré. Toutes ces femmes que tu vois, je voyais des femmes là marcher, des femmes qui faisaient peur, d'autres marchaient comme des hommes, elles avaient la barbe, pourtant elles étaient en deux pailles, en maxi, en robe, en jupe, et d'autres en pantalon. Mais qui avait la barbe, qui avait gardé des cheveux comme des rastas. D'autres étaient bien peignées, d'autres étaient bien maquillées. Elles étaient toutes belles. Mais la particularité est que ces femmes-là avaient beaucoup de barbe et puis beaucoup de moustaches.
et de beaucoup de favoris. Et le Seigneur me dit, regarde, ces femmes que tu vois là, elles sont possédées. Ce sont des femmes, des travesties, des femmes possédées, des femmes prostituées, des femmes médisantes, des femmes escrocs, des femmes qui, au lieu de prier, qui passent leur temps à faire la sorcellerie, des femmes qui vont chez des marabouts, pourtant elles disent qu'elles sont chrétiennes, des femmes qui font n'importe quoi. Et j'étais étonnée de voir ces femmes-là parce que je n'ai jamais vu une femme avec la barbe, avec la favori, avec des moustaches. Et puis le Seigneur me dit, servante, est-ce que tu vois ce qui se passe? C'est à cause de toutes ces choses-là, ces abominations-là, qu'il y a la guerre dans votre pays. C'est tout cela qui envoie la guerre dans votre pays. Il y a des guines dedans, celles que tu vois. Des guines se cachent pour se marier. Les guines, pour ceux qui ne savent pas, c'est femmes et femmes qui font l'amour ensemble. Alléluia. Vous voyez des femmes, deux femmes qui vont ensemble, qui courent, qui font la chose entre elles. Et je criais, il me dit, non, ne crie pas. Ne sois point effrayé. Ce sont des femmes. Et le Seigneur va m'envoyer sur l'autoroute. Et je vois un grand ravin. Et je vois toutes ces femmes-là qui sont regroupées, qui étaient regroupées là. Et je vois un gros camion qui arrive, mais il y a beaucoup de femmes dedans. Et le grand camion va faire tonneau. Le grand camion va faire tonneau. Et je vois ce groupe de femmes-là. Je vois ce groupe de femmes qui ne s'occupaient pas des gens qui étaient blessés. Et il y a d'autres même qui étaient morts. Mais elles riaient, elles se moquaient des gens qui étaient morts, d'autres étaient blessés. Personne n'allait au secours des gens. Et puis le Seigneur me dit, tu vois, le cœur de ces femmes l'est endurci. Ces femmes-là sont insensibles. Et le Seigneur va faire en sorte que nous allions vers ces personnes, mais je criais, mais personne ne m'écoute. Le Seigneur dit, bon, je suis en train de te montrer ce qui va arriver. Ces femmes-là sont insensibles. Ce sont elles qui portent les pantalons, les culottes à la maison. Elles ne sont pas des femmes soumises, ce ne sont pas des femmes. Il y a une partie des chrétiennes qui sont dans ce jeu. Et le Seigneur me montre, il dit, je vais te montrer quelque chose. Pour que tu puisses faire la part des choses. Il me montre des femmes chrétiennes, s'il vous plaît. Il me montre, il dit, je vais te montrer la marque pour dire que celle-là, elle est chrétienne et l'autre ne l'est pas. Mais aujourd'hui, les chrétiennes et les païens marchent ensemble. Je vois sur le front de ces chrétiennes-là, je vois une croix, mais une croix noire. Il dit, celle-là, elle dit qu'elle est chrétienne. Que annonce à mon peuple, annonce à l'église, que toutes les femmes prennent un jeûne, que toutes les femmes soient lavées du sang de l'agneau. Que tu vois ce qui se passe. Va annoncer à tes frères et sœurs, voici ce qui se passe, la prostitution. Et je vais vous dire quelque chose. J'ai reçu une dame. Une dame, ça c'est un témoignage. Je vais continuer, mais je vais vous dire quelque chose. J'ai reçu cette femme. Cette femme est chrétienne. Elle est chrétienne, mais elle m'a dit qu'elle m'en excuse, mais je ne dirai pas son nom, mais je suis en train de vous dire ce qui se passe. Elle est à l'église. Je dis bien à l'église évangélique. Et elle est chrétienne, elle est communiée, elle est mariée. Et elle a 4 enfants. Et ces 4 enfants sont tous des garçons. Et c'est un frère en Christ qui me l'a envoyé. Mais cette femme-là, quand je l'ai reçue, elle était complètement défaite. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, mais elle ne veut plus se marier. Mais son mari ne sait pas pourquoi. Ce pourquoi elle ne veut plus se marier. Mais quand je l'ai prise à côté, elle m'a dit de dire à son mari d'aller au travail. Et je lui ai dit,
Cette femme-là, s'il vous plaît, elle est médecin. Et son mari est un cadre du pays. Je vous dis qu'elle est médecin. Et elle m'a dit quelque chose. Elle me dit qu'elle était guine. Guine, pour ceux qui ne savent pas, c'est les deux femmes qui vont ensemble. Et quand elle s'est convertie, d'après elle, qu'elle est partie à l'église, elle s'est mariée et elle a abandonné. Elle a eu 4 enfants, 4 garçons, mais elle ne peut plus tenir parce qu'elle a un club où elle se retrouve dans la commune de Cocody, dans la commune précisément des deux plateaux. Elle se retrouve que maintenant elle ne peut plus tenir parce qu'elle veut que son mari sache qu'elle est guine. Je lui ai dit que je ne peux rien faire pour elle parce que moi, je ne peux pas dire cela à son mari. Elle dit, mais qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle me pose la question à savoir qu'est-ce qu'elle doit faire. Je lui ai dit, elle a besoin de délivrance. Elle n'était pas convertie avant de se marier. Parce que si elle était convertie, je crois qu'elle allait abandonner ces choses. Mais elle revient encore dans son ancien amour où elle couchait avec sa camarade femme. Elle me dit qu'elle ne peut pas. Il faut dire que je suis en train de résumer son témoignage. Sa délivrance a duré 6 mois. Elle m'a dit que ça allait et elle a repris avec son mari. Mais là, je n'ai jamais dit à son mari. Elle m'a dit, je peux informer son mari. J'ai dit non, il faut continuer dans ton foyer. Alléluia. Donc vous voyez ce que le Seigneur me montre, hein? Le Seigneur me ravit en esprit, il me montre. Cela s'avère vrai. Vous êtes des chrétiens, priez, le Seigneur va vous confirmer ça. Il y a des guines parmi nous, à l'église évangélique bien sûr. Il y a des guines, il y a des prostituées. Il y a des danseuses de gogo. Donc mon frère, ma soeur, je suis en train de te dire ce que j'ai reçu de cette femme, son témoignage. Et je suis en train de te dire aussi ce que le Seigneur m'a montré. Ça veut dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, les femmes sont devenues insensibles. Elles se plaisent au mal de avoir le mal. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur soit avec nous. Les commérages. Ah, tu sais ce qui se passe de l'autre côté? On veut tout faire pour savoir ce qui se passe dans le foyer de l'autre. On veut tout faire pour savoir ce qui se passe dans la vie de l'autre. Il faut arrêter ça. Mon frère, tu es au courant de ce qui se passe? Ma soeur, tu es au courant? Il faut arrêter ça. Tu es chrétienne maintenant. Il faut arrêter ces choses du monde qui envoient des démons dans la vie des gens. Aujourd'hui, c'est dans l'église évangélique, on entend, ah, tu es au courant de ça, tu sais ça, je vais te raconter l'histoire de cette femme, je vais te raconter l'histoire d'un pasteur, au lieu de prier pour le frère ou la sœur. Vous voyez que le Seigneur est fâché contre les femmes au niveau de la Côte d'Ivoire, à cause de la prostitution, à cause des travestis, à cause de toutes ces choses. Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur nous fortifie. Et je vais dire aussi aux parents, quand tu vois que ta fille, qui t'envoie beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, vous êtes là la nuit, tu ne la vois pas, elle va partout, il y a des boîtes de nuit en Côte d'Ivoire. Il y a des boîtes de nuit à Biétry où tu rentres là-bas, hein, tu rentres nu là-bas. Il y a des boîtes de nuit partout. La fois dernière, j'ai vu un reportage où il y a des chiens qui couchent avec des jeunes filles au niveau d'Abidjan. Des chiens qui couchent avec des jeunes filles. Et le chien qui a été récompensé, c'est lui qui a mis du temps à... Il est resté sur la jeune fille pendant longtemps. Et ces chiens-là sont entretenus, ces chiens-là sont, appartiennent au plan. Mon frère, ma soeur, surveille ton enfant. Il faut surveiller ta fille. Il faut lui demander qu'est-ce qu'elle fait. Il faut lui demander qu'est-ce qu'elle devient.
Il faut lui demander, pose beaucoup de questions à ta fille. Si la nuit tu ne la vois pas, il faut essayer de la chercher pour localiser où ta fille va. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Que le Seigneur enlève toutes ces barbes, ces moustaches du visage des femmes de la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur te fortifie, toi qui m'écoutes. Que le Seigneur te renouvelle. Que le Seigneur te régénère. Que le Seigneur te guide sur le droit chemin. Alléluia. Nous allons prier notre Dieu. Alléluia. Prions le Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur, pour ce beau moment que nous passions en ta présence. Merci, Seigneur, de nous édifier, de nous fortifier. Merci de nous aider. Merci de prendre soin de nous. Merci de prendre soin de nos enfants. Merci de nous guider sur le droit chemin. Parce que tu es la vérité, la vie. Et tu as dit que nul ne part au Père que par toi. Seigneur, aide-nous à être des Déborah, à être des Déborah, des Marie. Aide-nous, Seigneur. Je vais te rendre toute la gloire parce que tu es fidèle. Tu es Dieu. Je vais te dire merci pour tous tes bienfaits. Et béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Toi, mon frère qui m'écoute, toi, ma sœur, que le Seigneur te bénisse. C'est votre servante Moyer. Alléluia. Abonne-toi. Alléluia, il faut apprécier aussi. Alléluia, c'est un direct. Voilà, il n'y a pas de montage. Vous savez, au niveau de la communication, on appelle ça un montage. Ça veut dire que quand tu parles, que tu fais une faute, on enlève ça avant de mettre à l'antenne. Alléluia. À la radio aussi, c'est pareil. C'est pas facile de faire un direct. Voilà, donc Dieu, que Dieu nous soutienne et que Dieu nous conduise sur le droit chemin. Que le Seigneur te bénisse. Toi, mon frère, toi, ma soeur, que le sang de Jésus te couvre, couvre tes enfants. Que le sang de Jésus couvre le conjoint, nos petits-enfants. Alléluia, nos arrières. Alléluia. Que le Seigneur soit dans nos foyers. Au nom de Jésus. Amen.